Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment débloquer 1 milliard de cristal d'éther et ça vous débloquera aussi le camouflage Dark Eater. Alors cette technique fonctionne sur toutes les plateformes, que ce soit sur PC, PS4 ou PS5 ou Xbox, logiquement ça fonctionne même sur Xbox, donc ça fonctionne partout. Et vous n'aurez pas besoin de deux manettes, vous aurez juste besoin d'avoir un ami avec vous pour réaliser ce glitch. Et votre pote n'aura rien à faire, juste vous inviter dans son groupe. Donc ça lui prendra exactement 30 secondes. Alors pour réaliser ce glitch, vous utilisez votre compte principal, bien entendu, que vous voulez débloquer les cristaux d'éther et le camouflage Dark Eater. Ensuite, vous lancez votre jeu et vous allez rejoindre une partie publique sur D-Machine ou alors Fire by Z. Alors moi dans le gameplay, je le fais sur D-Machine, donc je rejoins une partie publique sur D-Machine. Ensuite, quand je suis dans la partie publique, je vais dans mes paramètres réseau, je me déconnecte d'Internet et je me reconnecte sur Internet. Ensuite, je retourne dans le jeu et là, il y aura un message disant que je suis déconnecté. Donc bien entendu, je me reconnecte. Quand je suis reconnecté, je vais dans le lobby où il y a multijoueurs, zombies, campagne, etc. Mais je ne touche plus à rien. C'est là que votre pote intervient. Donc vous demandez à votre pote d'aller, lui, dans le lobby zombie. Ensuite, il vous invite. Vous rejoignez l'invitation en appuyant sur le bouton PS ou en appuyant sur triangle et rejoindre comme moi je le fais dans le gameplay. Ça fonctionne dans les deux façons. Et ensuite, quand vous êtes dans le lobby avec lui, lui va relancer la map que vous venez de lancer. Donc moi, j'avais lancé D-Machine. Donc lui va relancer D-Machine en privé. Donc quand c'est relancé, pendant le chargement, vous allez avoir un écran noir. Quand cet écran noir apparaît, vous allez être redirigé vers le lobby zombie. Ensuite, vous aurez un message d'erreur. Vous cliquez sur X pour passer le message d'erreur. Et là, vous allez aller dans Armes, puis dans Talents. Et là, vous allez voir que vous avez débloqué 1 milliard de cristaux d'éther. Donc, vous allez pouvoir les utiliser pour améliorer tous vos talents. Alors moi, comme c'est un nouveau compte que j'ai créé, je n'ai pas accès à mes classes. Mais si vous allez dans vos classes, vous verrez que vous avez débloqué le camouflage Dark Eater sur toutes vos armes. Vous avez juste à mettre le camouflage Dark Eater sur l'arme que vous voulez et vous aurez le camouflage Dark Matter sur toutes les classes que vous l'avez mis. Jusqu'à temps que vous changez de camouflage, bien entendu. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh. Yummy, 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 bruh.